Et salut tout le monde, c'est Trimano et on se retrouve aujourd'hui pour retourner le bras de fer de la semaine sur Hearthstone, donc qui est la bataille de deck. Donc le jeu en début de partie va nous proposer un bonus donc qui sera affilié à un certain type de carte, donc qui sera Râle d'agonie, Cri de guerre, les sorts ou les Murlocs. Donc on détaillera ça quand on y sera donc à notre premier tour pour que vous voyez les choix possibles. Donc pour ce faire, on va jouer un deck Râle d'agonie, donc un chasseur, hein, donc comme tout chasseur on a un maximum de tours tôt dans la partie, donc on a 14 tours 2 dans le deck, donc des classiques, Gnam Nepo c'est un tour 1, pour les classiques on a Savant fou, Rampante, Nérubien, on a mis un Crapaud énorme qui est pas dans peu de chasseurs, mais qui a un Râle d'agonie, donc qui sera boosté dans la game, enfin dans la partie. Après on a mis un arc, un ordre de tuer, compagnon animal parce que c'est les cartes clés de chasseur. Et un petit peu de late et de midrange, donc on a mis un déchiqueteur piloté, Crash Vase, Golem Céleste piloté et 2 Savane pour quand même garder une certaine tempo au fil de la game, si on se fait bien gérer l'early game. Et voilà, c'est à peu près tout, donc une marque du chasseur et un Seigneur de la Mort, hein, donc pour bien être en communion avec le bras de fer. Hein. Donc voilà, donc c'est parti, on va essayer le deck dès maintenant. Là, il a trouvé et un adversaire convenable. C'est comme si Hearthstone faisait dans l'originalité. Et c'est un russe. Il est assez tard, donc c'est souvent qu'on compte des russes sur les serveurs européens à 7 heures de la nuit. Du coup dans la main, alors on a Crapaud énorme, Rampante et Chapeau d'explorateur. C'est vrai que j'ai oublié de dire qu'on a des Chapeaux d'explorateur pour justement donner le Râle d'agonie et ainsi booster nos créatures encore plus. Donc là c'était mon tour. Et comme vous voyez j'ai le choix entre 4 choix justement. Donc bonus Cri de guerre qui fait que les serviteurs avec Cri de guerre ont +1/+1. Bonus Murloc qui fait qu'à la fin du tour on a un Murloc 1/1. Le nouveau Murloc de la Ligue des Explorateurs, donc qui coûte 0 et qui est 1/1. Un bonus au sort qui fait que quand on joue un sort, ça nous donne 3 points d'armure. Donc ça, ce bonus doit être vraiment bien quand on joue Mage Freeze, qu'on a beaucoup de sorts, et pour essayer de pas mourir en début de partie. Et bonus Râle d'agonie, donc celui qu'on va prendre. Serviteur avec Râle d'agonie ont +1/+1. Et donc ce bonus n'est effectif que pour nous et pas pour notre adversaire évidemment. Donc là on n'a rien à jouer tour 1, donc on passe. Là il a pris le bonus Râle d'agonie, tout comme moi, donc j'imagine qu'il a un deck assez similaire. Donc là il pièce, peut-être pour un Savant fou ou une Rampante, donc voilà une Rampante. Et du coup là on va jouer notre Rampante à nous. Comme ça il peut pas la tuer comme ça, il lui faut un glaive Zuka ou un point de dégâts en tout cas. Et on pourra enchaîner derrière par le Seigneur de la Mort, donc il sera 3/9 du coup. Donc là il va face, donc là il a vraiment une grosse sortie, hein, déjà 3 créatures tour 2. Mais on va lui mettre un panneau stop et on va jouer le Seigneur de la Mort. Et on va venir trade la Rampante, la Tisseuse. On trade la Tisseuse, pourquoi? On aurait pu tuer le Gnome, mais normalement s'il n'a pas de chouette, le Gnome va se tuer sur le Seigneur de la Mort. Et en tradant la Tisseuse, donc qui était 2/2, on garde notre Rampante en vie. Ok, donc ça, on imagine que c'est un explosif. Du coup, on va essayer en tapant avec... on va taper dans le Gnome avec la Rampante en T. Donc là, le piège ne s'est pas activé. Du coup, on sait que c'est un explosif. Du coup, là, on va trade avec le Deathlord la Rampante, parce que c'est une bête. Et on arrive tour 4, et tour 4 il pourrait nous jouer un maître chien dessus, ce qu'on va éviter à tout prix. Hop. Donc là on va juste jouer le Chapeau d'explorateur, enfin le Crapaud, et on va mettre le Chapeau d'explorateur sur une des araignées, comme ça elle passe à 3 HP avec le bonus Râle d'agonie, et maintenant elle est beaucoup moins sensible au piège explosif. Donc là il joue jongleur plus Savant fou, donc le couteau va face, c'est plutôt une bonne nouvelle pour moi. On va tirer flex le Savant fou, voir s'il a un deuxième secret qui traîne dans le deck, donc apparemment oui. Donc là on imagine que c'est soit un piège à serpent soit un freezing, enfin un piège givrant. Du coup, on va taper avec l'araignée 1-1 pour commencer. Donc ce n'est ni un givrant, ni un piège à serpent. Du coup, je me suis trompé. Du coup, c'est soit un tir de précision qui inflige 4 points de dégâts à la créature qu'on met sur board. Du coup, pour le tester, on va mettre l'œuf de Nérubien. Comme ça, s'il fait 4 points de dégâts, ça me va parfaitement. Ce n'est pas ça. Du coup, c'est un piège à ours, si je dis pas de bêtises. Vu qu'on a aussi essayé le dernier piège avec des explorateurs, qui fait que quand on a 3 cartes sur le board, et que... on en joue une autre instantanément détruite. Donc là, on continue le trade normalement. Et cette fois-ci, on va taper face pour activer du coup le piège explosif et le piège à ours. Enfin, si je me suis pas trompé. Et du coup, non, c'était bien ça, c'était un piège à ours. Du coup, là, l'ours qui ne fait pas grand-chose parce qu'il peut toujours pas tuer mon Seigneur de la Mort tant qu'il n'a pas d'ordre de tuer ou de tir réflexe. Bon bah du coup il a un tir réflexe, je pouvais pas le prédire. Bon, au moins je lui tue son ours. C'est un croc-zombie et un œuf qui repop. Bien. Du coup là on va jouer la savana. Et on va aller face. On aurait pu me parler du chasseur et trail le croc-zombie. Mais je préfère pas, je préfère garder la marque du chasseur au cas où lui aussi joue la grande crinière des savanes. Donc là, il me passe énormément de board. Et du coup, je vais venir tuer son croc-zombie ce tour-ci. On n'oublie pas que c'est un chasseur et du coup, qui peut nous tuer assez facilement. Hop. Du coup, là, on passe le Crash Vase qui va passer 4-6. Donc là, 4-6, il est sur son board, il peut le traiter. Vu qu'il a 6 points de dégâts, du coup on va chapeau de l'explorateur et on va même tuer la bête pour éviter qu'il ait l'ordre de tuer ou mettre au chien comme tout à l'heure. Donc on marque du chat sur la bête et on la trade avec le Nérubien. Comme ça, s'il tue mon Crash Vase, je récupère le chapeau d'explorateur que j'ai joué dessus pour y jouer du coup sur mon Nérubien qui va lui augmenter ses stats, encore avec le bonus du bras de fer. Du coup là il a misplay, il aurait dû jouer le jongleur du couteau avant de jouer le Baron Vyfand. Bon du coup il a perdu 1 de dégâts quelque part. Du coup Baron Vyfand qui est assez intelligent dans le bras de fer, hein. Je sais pas si vous en pensez, sans doute un mal de ma part, si vous en soit. Du coup le Baron Vyfand qui a s'HP, et comme je viens le trade vu que mon board était parfait pour trade le sien, c'est la concession de l'adversaire. Et une première victoire pour ce bras de fer avec un deck chasseur assez cancer quand même. Et donc on est reparti. Non. Ok. Du coup on est reparti contre un nouvel adversaire. Et on a une main assez excellente. C'est excellent pour tout dire. Du coup là on va juste enlever le Crash Vase, essayer de trouver un tour 1, un autre tour 2 ou un tour 3. Donc là le chapeau de l'explorateur il est vraiment pas mal. Hop, donc là c'est lui qui choisit son bonus de bras de fer. Du coup bonus Murloc, du coup on peut imaginer qu'il joue un deck Murloc. Donc voilà comme c'était prévu, un deck Murloc. Du coup on va prendre le bonus Râle d'agonie. Et on va jouer directement. L'œuf de Nérubien. Pourquoi? Parce qu'à tous les tours, à chaque fin de tour, le bras de fer va invoquer un Murloc 1-1 pour l'adversaire. Du coup, là, le Nérubien, c'est le mieux pour pouvoir trade tous ces Murlocs. Du coup, voilà, tout simplement. Donc là, s'il va face, on imagine que c'est un noble sacrifice. Noble sacrifice, donc qui invoque une 2-1 quand on attaque et qui prend le coup à la place. Du coup on va essayer, effectivement c'est un noble sacrifice. Du coup là on pourrait jouer savant fou, rampant tenté, tisseuse, ou crapaud. On va jouer le crapaud, pourquoi? Pour la même raison que tout à l'heure. Le crapaud sera le plus à même de contrer donc les 1-1 qui vont pop tous les tours, avec son râle d'agonie qui inflige 1 point de dégâts à un adversaire honorable, ce qui est vrai, un adversaire aléatoire, pardon, honorable, ce qui est vraiment excellent contre Paladin en plus, vu qu'il va souvent en token, donc pouvoir héroïque, donc mettre des créatures avec un point de vie. Du coup, on va tuer son Murloc 1-1 en premier, pour enlever le boost sur les autres Murlocs. Nous allons... J'ai pas de piège explosif dans le deck, du coup le savant fou est assez faible dans le match-up. Enfin, par faible, j'entends moins fort que contre notre match-up. Donc on va tuer un œuf de Nérubien pour tuer un Murloc. Enfin, on va trade. Pourquoi on tue un Murloc et pas le token? Parce qu'il joue un deck Murloc, du coup il doit avoir des cartes pour booster ses Murlocs. Donc c'est pour cela on va essayer de lui en laisser le moins possible sur le board, et on joue Tisseuse et Rampante, histoire de se créer un board qui challenge le sien. Là, ce qui pourrait nous jouer et qui serait vachement embêtant, c'est un chef de guerre Murloc, donc qui booste tous les Murlocs qu'il a sur le terrain. Apparemment, il a la consécration, voilà, il a mis toutes mes créatures à 2 et consécration. Donc ce qui tue quasiment tout mon board, il me restera juste les 1-1, donc repop de la Rampante. Et lui, du coup, chope ça 1-1, donc avec le bras de fer. J'ai eu le Roi Mukla donc que la tisseuse m'a donné, que j'ai pas spécialement envie de jouer parce que j'ai pas envie de booster ses créatures vu que les bananes du Roi Mukla ajoutent 1-1 aux créatures sur lesquelles elles sont jouées. Du coup là je vais juste chapeau d'explorateur et savant fou. Comme du coup j'ai joué le savant fou sur une araignée qui n'avait pas râle d'agonie, pardon, le chapeau lui a donné râle d'agonie, du coup elle est boostée encore avec la mécanique du bras de fer. Du coup là on est assez even, enfin égalitaire au niveau du board, enfin, au niveau de la game, vu qu'il a plus de PV que moi, mais moi j'ai le board. Bon du coup maintenant le marteau du coup change quelque chose, vu qu'il vient de tuer mon savant fou. Là faudrait pas qu'il ait le chasseur du... Enfin le pouvoir héroïque du chasseur ou du démoniste avec son Sir Finley. C'est les meilleurs je pense à prendre contre moi. Donc il a eu le chasseur, pas de chance. Bon, ce sont des choses qui arrivent. Du coup, là on va être obligé de Mukla pour essayer de reprendre l'avantage dans la partie. On va trade les deux Murlocs et on va poser la Creeper. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a un piège givrant. On va essayer qu'il remonte sur Finley et qu'il le rejoue pour qu'il change de pouvoir héroïque. Parce que là... Pour nous, le pouvoir héroïque du chasseur est vraiment excellent contre nous, et du coup on veut le faire disparaître. Enfin, on espère qu'il n'a pas un Murloc trop violent. Oh bon, du coup, le Murloc qui booste les autres en leur donnant plus d'attaque. Pas pour l'instant le plus gros souci. Du coup là, on a un excellent top deck, mais est-ce qu'on va le jouer? C'est la question. Déjà, on va tuer le Murloc 1-1 qui booste les autres. J'ai obligé de tuer la 3-4, mais j'ai pas envie de la tuer avec le roi Mukla, parce que s'il a une deuxième consécration sur le board, ça va faire vraiment mal, mais je crois que j'ai pas le choix, je suis obligé de développer... des créatures pour essayer de revenir. Du coup on trade le roi Mukla dans la 3-4, et la 3 dans la 1-1, donc là on récupère le chapeau, donc comme ça on a un tour prochain Crash Vase plus chapeau d'explorateur. C'était plus logique de jouer le Golem Céleste piloté ici que le Crash Vase. Parce que si on jouait le Crash Vase, on jouait hors de curve le prochain tour. Alors que là, on joue 6, un tour 6. Et tour 7, on pourra jouer Crash Vase, petit réflexe, Crash Vase, chapeau de l'explorateur. Donc là, j'imagine qu'il va face, il va essayer de finir le match le plus rapidement possible. Parce que là, je commence à reprendre l'avantage. Voilà. Du coup, là, comme il a une... Je vais poser un taunt. Comme ça, il ne pourra pas passer. Donc là, on joue Crash Vase. Et la question c'est, est-ce qu'on chapeau d'explorateur ou mon pouvoir héroïque? Sachant que le chapeau d'explorateur, s'il gère pas la créature sur laquelle je la mets en 2 tours, j'aurais rattrapé la moins-value que j'aurais eu entre chapeau et pouvoir héroïque sur ce tour ici. Du coup, je pense que je vais chapeau. On va considérer qu'il a pas de chouette. Du coup, chapeau sur qui? Chapeau sur le roi Mukla. Pourquoi? Parce que comme ça lui donne le râle d'agonie, du coup ça le booste, au lieu de le booster de 1-1, ça le booste de 2-2. Toujours avec le bras de fer du coup. Là, on va trade la rampante donc dans la 1-1. Toujours trade les Murlocs, loin des Murlocs, pour éviter toutes les comment ça s'appelle, les cohésions, enfin les symbioses qu'il pourrait y avoir entre. Et du coup là je l'étale le prochain tour s'il ne gère pas mon board. Ok, ça c'est assez violent. On va essayer de le tuer, enfin on peut le tuer d'ailleurs. Je vérifie juste que j'ai pas un létal. Double quick shot, donc si je fais 2-1 là. Alors donc je fais 2-1, ça lui enlève le bouclier divin, double quick shot et j'ai l'étal. Bon du coup l'étal, pas très difficile à trouver mais bon, toujours ça. Hop. Du coup là on double quick shot et on a du coup 16-18, on avait 20 points de dégâts, donc on était largement létal. Donc voilà, donc là un paladin Murloc contre lequel on a gagné. Et ça nous fait du coup 2-0 dans ce doigt-faire de la semaine. Donc voilà, avec un deck, bon assez sale à jouer, ils ont venu. Mais qui marche, c'est le principal. Donc voilà, deck sans aucun scrupule, mais au moins on a gagné notre booster. Voilà, du coup c'était Trimano pour le bras de fer de la semaine, le premier de 2016. Du coup, vu que les deux dernières semaines Blizzard, les développeurs de Blizzard étaient en vacances, du coup ils nous ont remis les anciens. Voilà, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a aidé, et suivez-nous Ivasound Studio un peu partout, il y aura tous les liens dans la description, Facebook, Twitter, YouTube, Steam, et du coup je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bras de fer, comme d'habitude.